بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب. Une conquête. Merci pour vous être déplacé pour l'hommage que nous allons rendre à notre frère Ahmed Tian Cissé, ancien ministre de la Culture, malheureusement décédé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous prie de vous lever pour qu'on puisse observer une minute de silence en sa mémoire. Merci beaucoup. Alors, merci, chers frères. Vous devez savoir que notre ambassadeur devait être avec nous aujourd'hui parce qu'il est informé, mais il nous a chargé de vous présenter ses excuses. Malheureusement, il y a beaucoup d'événements dans la communauté, notamment il y a une journée de prière dédiée à Ebola, contre Ebola en tout cas, qui est organisée par l'association l'ABN, l'AB Développement, qui est présidé par Mouminatou Diallo, une de notre sœur. Et je vais passer la parole à Lansine Camara, qui a initié cette rencontre, notre frère Lansine Camara que vous connaissez, qui n'est plus à présenter. Et avant, je pense qu'il convient de vous présenter les personnes qui sont autour de cette table. Donc vous avez à ma gauche, Kaloko, notre frère, le président de CRAC Guinée. Vous avez Dr Batcherno, que vous connaissez également, du CIREG. Vous avez Madame Si Aissatou, la présidente du FULGA, Femmes Unies pour le Développement de la Guinée et de l'Afrique. Notre frère Lansine Camara, bien entendu. Et notre frère Blaise Chérif, l'ancien ambassadeur de la Guinée aux USA, qui est avec nous aujourd'hui, qui est venu nous honorer de sa présence pour que nous puissions ensemble rendre hommage à son ami aussi, puisque Ahmed Tian Cissé était également son ami. Et c'était quelqu'un, en fait, qui était avec nous ici. C'était un Guinéen de la diaspora, puisqu'on l'appelait ainsi. Et malheureusement, il est parti. C'est comme ça. Ça, c'est la vie, c'est le destin. Qui veut cela? Je vais passer la parole à notre frère Lansine Camara pour qu'il nous dise ce qui a motivé cette rencontre aujourd'hui. Je vous remercie. D'abord, mes chers amis, shalom alaykoum. Puisque nous sommes musulmans,
je pense que dans des moments comme ça, la religion nous grandit. C'est ça, le sens de la religion. Nous grandit, nous distinguer des animaux. Et je salue la communauté musulmane entière de la Guinée, parce que la communauté musulmane entière en Guinée vit en cohabitation totale, respectueuse, profonde, avec toutes les autres religions. De ce point de vue, je suis fier de la religion telle qu'elle est pratiquée dans notre pays. Alors, mes chers amis, Ahmed Tidiane Cissé, c'était un homme de culture, un homme de paix, qui a été longtemps ici avec nous dans la diaspora. C'était un poète. Il a écrit beaucoup. Et puis, en ce qui concerne le théâtre, il a été un grand du monde du théâtre. Lorsque j'étais à Conakry, avant même de faire le débat avec Moussa Fanaïté, j'étais toujours au ministère de la Culture. Et à ma grande et joyeuse surprise, j'ai trouvé au ministère de la Culture comme conseiller d'Amen Tidiane Cissé, feu Souleymane Kodji. Il était le conseiller d'Ahmed Tidiane Cissé. Comme par hasard, les deux viennent de nous quitter. C'était bon, Souleymane Kodji, et puis maintenant, Ahmed Tidiane Cissé. Avant eux, nous avons perdu trois grands Guinéens. Il y avait l'historien Baba Kaké, agrégé d'histoire, homme de culture, patriote, qui a toujours dit qu'il faut chez nous faire en sorte que la culture soit totalement enracinée de manière de permettre un développement économique harmonieux. Il avait fait des recherches sur l'histoire guinéenne, il a écrit beaucoup d'ouvrages. Et le dernier, c'était le héros et le tyran, Dr Baella, où il faisait la part entre ce qui était bon chez Sékou Touré et ce qui était mauvais. Et il nous a quittés. Et le grand journaliste, mon meilleur ami, Sirajou Diallo, qui a brillé la Jeune Afrique, qui a brillé dans le monde médiatique, à ma grande surprise, lui aussi, quand il est venu, on l'a soigné, malheureusement, il nous a quittés. Et puis, avant lui, les Mokhtar Bangoura, qui ont été de grands patriotes, eux aussi nous ont quittés. Mais ce que je vais dire, ce hommage, non seulement c'est à la mémoire lumineuse, impérissable, d'Ahmed Tidiane Cissé, mais c'est aussi à la mémoire de toutes les victimes d'Ebola. Toutes les victimes d'Ebola. Parce que nous ne sommes rien sur terre, je ne vous apprends rien. Et eux, ils ont compris ça bien avant. Eux, ils se sont battus pour que nous, nous puissions, une fois qu'ils sont partis, aujourd'hui, honorer ce que j'appelle leur œuvre, œuvre de paix, œuvre parfois scientifique. Alors, je me suis dit que la salle soit pleine ou pas, quand de si grands hommes s'en vont, notre rôle, notre devoir, c'est de faire en sorte que le combat pour lequel, évidemment, ils se sont plus ou moins engagés, que ce combat soit une réussite. Et comme Ahmed Tidiane Cissé aimait d'abord la jeunesse, mais il aimait aussi le sport, je me suis permis
volontairement de saluer le Sili national. Parce que je ne vous apprends rien, c'est d'abord la jeunesse qui est notre avenir. Et le monde du sport aussi, non seulement ça permet une bonne éducation de la jeunesse, mais ça peut générer beaucoup d'argent. Et la Guinée en a besoin. Et je trouve que la Guinée a une jeunesse dynamique, active. Et nous lancerons même le club d'encouragement des talents guinéens. À partir de maintenant, un club d'encouragement des talents guinéens, un club qui va récompenser un scientifique guinéen, un mathématicien guinéen, un écrivain guinéen, pour que la jeunesse, une fois de plus, travaille, mais que la jeunesse se sente en sécurité. C'est un hommage pour aller vers un avenir réussi, un avenir maîtrisé, dans la paix. Et ça, c'est possible. Donc, je salue d'abord le panafricanisme sénégalais, je le salue, parce que chaque fois, sans être guinéen, il est le premier à être parmi nous. Je salue Mohamed Lamine Keïta, un patriote aussi, qui a fait ses preuves politiques et qui continue à faire ses preuves de gestion ici. Je salue l'homme de Bélékoro, même s'il n'est pas de Bélékoro, qui est assis ici, et avec qui d'ailleurs je passe tout le temps à plaisanter. Je pense que lui, il va transmettre à nos frères de Moyenne-Guinée toute notre reconnaissance. Et je salue les frères de Moyenne-Guinée qui ont organisé aujourd'hui la prière contre Ebola. Je les salue et il faudrait le leur dire. Alors, mes chers amis, il faut que leur mémoire serve pour nous ce que j'appelle un moyen pour aller de l'avant. Parce que eux, si nous travaillons, si nous arrivons à bâtir un État fort, un État uni, eux, ils vont dire, mais finalement, ces gens-là, nous avons bien fait de compter sur eux. Et il faut qu'ils comptent sur nous. Donc, je vais passer la parole au modérateur. Je sais que nous allons faire un hommage fructueux, intelligent, apaisé, pour qu'ils soient fiers de nous. Monsieur le modérateur, je vous remercie. Merci, mon cher frère. Donc, à présent, je vais... la parole à Kaloko. Bon, jeune frère, c'est à toi de parler. Merci, monsieur Cissé. Bonjour à tous. Chers compatriotes, chers amis, nous sommes réunis ici pour rendre hommage à un frère, à un compatriote, à un Guinéen qui est décédé alors qu'il était ministre de la République. Vous l'aurez compris, je veux nommer Ahmed Tidiane Cissé, ancien ministre de la Culture de notre pays, décédé le mardi 6 janvier 2015 en France. Dans ce moment de recueillement, de témoignage, je voudrais appeler les uns et les autres à dépasser les clivages partisans, les considérations ethnico-politiques et s'attacher à l'essentiel, ce qui nous unit, c'est-à-dire la fraternité et la solidarité entre Guinéens. Je suis ici en tant qu'observateur de la vie politique de notre pays. Je suis ici en qualité de membre de la société civile guinéenne. Je voudrais rendre hommage d'un observateur lointain, un observateur qui a vu l'ancien ministre de la Culture agir dans l'exercice de ses fonctions. Nous ne pouvons évidemment rendre hommage à M. Cissé, un homme d'une grande culture, sans parler de la culture de notre pays. Chers amis, sans être un nostalgique de la Première République, je dois reconnaître que le régime du timonier de notre indépendance avait accordé une place de choix à la culture guinéenne. Et de ce point de vue, son régime était prolifique sur le plan culturel. En effet, la culture guinéenne était en effervescence à cette époque. Cette période a laissé une empreinte indélébile sur la culture de notre pays, avec les grands noms tels que le Bembea Jazz National, les ballets africains, les ballets Joliba, l'ensemble instrumental, pour ne citer que ceci, et qui faisait tous notre fierté nationale.
Il est incontestable que la Guinée avait brillé durant toute cette période par sa culture en Afrique et dans le monde. L'Afrique entière nous enviait nos bijoux nationaux. Des générations entières restent marquées par l'enthousiasme et la ferveur culturelle de cette époque. Depuis ce temps, la Guinée de feu Aboubacar Demba Camara, la Guinée de Bakary Sissoko, la Guinée de Sory Kandja Kouyaté a disparu de la scène internationale. En effet, les moyens alloués au ministère de la Culture sont insuffisants et ne peuvent pas permettre à un pays de mener une véritable politique culturelle. La culture perd ainsi la place qui lui revient, à savoir le fer de lance du développement d'une nation. Aujourd'hui, il n'est pas exagéré de dire que la culture guinéenne agonise. Je voudrais donc rendre hommage, un hommage appuyé et mérité à feu Ahmed Tidiane Cissé, pour qui nous sommes réunis ici. Ce valeureux fils de Guinée était animé d'une volonté de redonner à notre culture ses lettres de noblesse, son lustre d'antan. Mais malheureusement, il n'avait pas assez de moyens pour mener cette politique ambitieuse pour notre pays. Le dramatique incendie du ministère de la Culture en juin 2014 vient étayer cela. Feu Ahmed Tidiane Cissé, naquit en 1941 à Congolia, en Basse-Guinée, il était un homme de culture. Il était un homme de culture, un intellectuel reconnu par ses pairs, un écrivain, un poète, un metteur en scène, un chorégraphe. Faut-il rappeler les cours de danse qu'il donnait dans les écoles et les foyers en France? Une façon pour lui d'exporter la culture guinéenne. Feu Ahmed Tidiane Cissé était diplômé en droit public de la Sorbonne. Il a été élu à plusieurs reprises député de notre pays. Il était également membre du Conseil national de la transition en 2010. Sa disparition constitue une immense perte pour le paysage culturel de notre pays. Nous adressons nos condoléances les plus attristées à la famille de M. Cissé et à tout le peuple de Guinée. Je demande à chacun de prier pour le repos de son âme. Et comme nous devons parler de notre Sili, juste un mot sur son parcours. J'ai éprouvé une fierté, mes chers amis, indicible à chaque match de notre équipe nationale à l'occasion de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Un premier constat, c'est celui de la jeunesse qui caractérise notre équipe. Et de ce point de vue, nous pouvons nous réjouir car l'avenir est plein de promesses. Cette équipe doit être félicitée et encadrée. Nous étions dès le départ dans une poule très compliquée, mais nous avons réussi à nous qualifier. C'est un motif de satisfaction. Il faut reconnaître que cette équipe a fait vibrer toute la nation guinéenne. Et j'invite les membres de cette équipe à prendre l'exemple sur le Sili et le Afia 77 de l'époque. En effet, le Sili national s'est fait remarquer deux fois à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations et le Afia 77 trois fois champion d'Afrique. L'unité qui a prévalu à l'occasion de cette CAN devrait se perpétuer, mais malheureusement, le mal guinéen est profond. Il demande des réelles réponses et pas des réponses circonstancielles. Bravo à notre Sili national et nous prions pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Je vais vous transmettre donc un message du président de Guinée Développement avec qui nous travaillons en partenariat. Donc le président Ismaïl Ba de Guinée Développement me charge de vous dire, de vous informer la création du Ratoma Football Club. Un club qui a pour objectif de faire la promotion de la jeunesse par le sport. Il vous informe également de la tenue en juin prochain du colloque de la société civile guinéenne au Sénat français sur le thème gouvernance et stabilité. Merci à tous. Merci, Kaloko. Donc, il y a le président de la CAGF qui demande à se retirer, mais je pense qu'il veut peut-être s'exprimer avant de partir. Voilà, le président de la CAGF. Vous savez, comme vous le savez, je l'ai dit tantôt, il y a un autre événement dans la communauté. Donc, il y a cette journée de prière qui est organisée par Action de l'abbé, l'abbé Action Développement, donc à Ville-Talleuse. Mon cher frère. Merci, Monsieur le Président d'honneur.
Donc c'est simplement féliciter le doyen de son initiative et tous ceux qui ont contribué à cette organisation qui n'est pas facile, on le sait. Donc je remercie tous ceux qui se sont impliqués, M. Blaise Chérif, le doyen, M. Kaloko, etc. et tous ceux qui sont ici dans la salle. Là, il ne s'agit pas de tenir des discours, c'est juste rendre hommage à un compatriote qui a disparu. Et donc on souhaite le repos de son âme et paix à son âme. Merci. Merci, Monsieur le Président. À présent, je vais passer la parole à Madame Si Aïssatou. Bonjour tous. Allez, bonjour tout le monde. Il n'y a pas d'autres femmes que moi. Je vous remercie de votre déplacement pour venir honorer la mémoire du féministe Tidiane Cissé. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Aïssatou Si, présidente de l'Association Femmes Unies pour le développement de la Guinée et l'Afrique. Notre objectif, c'est de promouvoir les actions autour de la citoyenneté, de la santé, égalité des chances et l'émancipation des femmes. Donc, j'entends parler tout de suite à M. Lansiné. M. Tidiane Cissé était un homme de la diaspora. Quant à nous, femmes de la diaspora riches de diversité, de notre situation à la recherche de notre pain au quotidien, nous éloigne souvent des réalités du pays. Nous qui sommes expatriés, c'est celui de donner à nos enfants une éducation et les préparer à ne pas être des étrangers une fois de retour au pays. Un tel n'est pas là à la portée d'un seul individu. Ou même une seule famille, ce n'est pas les efforts conjugués du groupe organisé, motivé, que nous pouvons nous mettre à l'abri de la. Donc, je suis ravie d'être là, rendre hommage au féministe Tidiane Cissé en tant que femme de la diaspora. Quand on parle de devoir et de mémoire, transmettre à nos enfants ce que nous sommes en train de faire ici. Le décès s'est produit à Toulouse, il a été enterré en Guinée, mais que les Guinéens le savent, que nous sommes de cœur avec nous. Et nous prions pour tous ceux qui sont morts de Ebola. Et même l'ancien ministre qui a été assassiné hier, on l'associe à cette prière, que leur âme se repose en paix. Donc, avant de terminer, pour vous dire que la situation des femmes en Guinée et les ONG féminines, les femmes contribuent beaucoup au développement de notre pays. Il y a des livres qui sont écrits par docteur en sociologie, auteur de ce livre, La situation des femmes en Guinée, l'ONG féminine, chronique d'un retour en Guinée. Il habite à Toulouse, où il enseigne à l'université de Toulouse, Jean Jaurès, ancien Toulouse, le Mireille. À votre entière disposition pour échanger sur la problématique de genre et du développement en Guinée. Je vous remercie. Voilà les livres. Merci, Madame Si. Merci beaucoup. On sait que tu es très mobilisatrice pour notre communauté et tu es toujours présente. Merci et bon courage à toi en tout cas. Bien, à présent, notre frère Docteur Ba. Oui, salam alaikum. Salam. Je vous remercie de me donner la parole. Mais je prends la parole aussi pour dire que je suis très triste. Parce que quiconque a connu Ahmed Tidiane Cissé ne peut pas ne pas l'aimer. Il attirait la sympathie comme l'aimant et le fer. L'ingénieur ne me démentira pas. Donc c'est une très grande tristesse, une très grande perte pour notre Guinée. Moi, je l'ai connu il y a 25 ans, à mon retour de Côte d'Ivoire. Et il a été l'élève de M. Ba Ibrahim Akaba, qui est mon grand frère, et qui, à l'époque où il enseignait
Amédée Diagne Cissé. Mon frère, donc, il était le directeur de l'école normale de Kindia. Par fidélité à la sympathie qui a existé entre lui, Amédée Diagne Cissé, et mon grand frère, Baibra Makaba, il m'a pris comme grand frère de substitution. Et avec son groupe d'âge, les Bouri, les Barry Alassane, et puis beaucoup d'autres, on s'est retrouvés pour écrire des rapports sur notre vision de la situation de notre pays, la Guinée. Donc, je détiens dans mes archives un certain nombre de rapports dont parfois il était le rapporteur ou il était le président de séance de la commission. On a fait beaucoup de choses avec beaucoup de propositions et qu'il a toujours conservé. Et lorsque Condé Alpha l'a nommé ministre de la Culture, il a commencé à sortir ses dossiers. Et donc, à l'occasion de quelques passages à Paris, parfois il me téléphonait pour me dire, tiens, voilà, on amorce ceci ou cela. Donc, c'est vraiment une grande tristesse. Et si je peux me permettre une proposition concrète, c'est de suggérer à la CAGF et à l'ancienne Camara qui a initié cette rencontre-là d'organiser, parce que vous avez parlé de la salle qui n'est pas remplie à moitié, donc pour mobiliser notre communauté, parce qu'elle en a besoin aujourd'hui, d'organiser une cérémonie d'hommage, pas seulement à Amédée Diagne Cissé, mais aux artistes, écrivains, poètes, qui n'ont pas servi la Guinée pour les raisons de la dictature. Tout le monde tourne autour du mot, mais moi, ma raison de vivre, ma raison d'être parmi vous, c'est vous dire, bon, voilà, nous avons parcouru le chemin là avec voilà, les points où nous sommes, où nous avons cogné le gros orteil, voilà le coin où nous avons contourné pour ne pas être écrasés, etc. Mais associer les autres artistes décédés. Là, on a cité Amédée Diagne Cissé et Souleymane Colly. Il faudrait ajouter mon cher frère, Henri Duparc, avec son bar poussière. Et donc, c'est une occasion, en tout cas, voilà la proposition que je fais, organisons ensemble, mais de façon vraiment rationnelle, scientifique, approche socio-culturelle la plus large, la plus diplomatique, la plus entourée de tact pour qu'on remplisse une salle de 500 places pour qu'on se voit ensemble et pour qu'on ait une pensée commune en cette aube du 21e siècle. Donc nous souhaitons bon repos éternel à nos frères qui sont décédés. Nous prions le bon Dieu qu'il protège sa famille, sa descendance. Et nous demandons à nos compatriotes de toujours parler de nos frères morts en exil qui n'ont pas pu servir la Guinée. Et pour que il y a une relance de la continuité des générations, parce qu'il y a une vraie rupture de génération entre les Guinéens. Et donc,
Voilà, merci de m'avoir donné la parole pour vous dire ce que vraiment je ressens avec beaucoup de sincérité et beaucoup de tristesse. Merci Campbell, merci à tous. Merci Dr Ba, merci beaucoup. Et merci une fois de plus pour ta constance, pour notre communauté, puisque tu as toujours été là quand la communauté a eu besoin de toi. Voilà, nous te remercions pour ça. Et nous prions pour que, en tout cas, tout ce que tu viens de nous dire soit exaucé. Et que ceux qui sont partis, puissent, que leur âme puisse reposer en paix. Je te remercie. Je passe à présent la parole à M. Blanchérif, s'il vous plaît. Merci. Mesdames et messieurs, j'aimerais d'abord commencer par féliciter le doyen Lancinet pour l'initiative qu'il a prise d'honorer notre frère, le ministre Cissé. J'ai entendu parler de M. Cissé en 1968. J'étais à l'université de Grenoble. Lui, il était à Paris avec mon ami d'enfance, Colly Souleymane. Ils avaient monté leur première troupe ici, qui s'appelait Kaloum Tam Tam. Avec mon ami Seydou Nour Boukoum, qui est d'ailleurs parti à Conakry pour ses obsèques. Il y avait également le ministre Kaba Souriba, qu'on appelait familièrement Plateau. Et ils avaient Kaloum Tam Tam. Et quand mon ami Colly venait me voir de temps en temps à Grenoble, il me parlait de ses camarades de la troupe et me parlait beaucoup de M. Cissé. J'ai eu le privilège de connaître personnellement M. Cissé à travers une troupe de théâtre qu'il avait ici à Paris. Si je ne m'abuse, ça devait être les Étoiles de Guinée ou quelque chose comme ça. Et j'ai invité M. Cissé et sa troupe à Genève pour venir animer la soirée annuelle de l'Association des fonctionnaires internationaux africains de Genève. Je peux vous assurer que dans la salle, devant un parterre de hauts fonctionnaires des Nations Unies à Genève, M. Cissé a ébloui l'assistance par sa prestance, par ses qualités de danseur, parce qu'il était le danseur étoile de cette troupe-là. Cela existe dans les archives des Nations Unies à Genève. Et la dernière fois que j'ai vu le grand frère, tout à l'heure on a dit que c'était mon ami, c'était un grand frère, nous n'étions pas de la même classe d'âge, j'ai rencontré le ministre Cissé à Columbus, en Caroline du Sud, en ma qualité d'ambassadeur de Guinée aux États-Unis. C'était en 2013, il était venu dans le cadre d'un jumelage entre Fourré-Caria et l'Université de Columbus. Et c'est là où j'ai appris que ce sont des Guinéens qui avaient été amenés comme esclaves aux États-Unis qui ont enseigné aux Américains de Caroline du Sud comment cultiver le riz. Le riz Caroline, c'est là où j'ai appris que c'était des Guinéens qui avaient enseigné aux Américains comment cultiver le riz. J'ai passé 3 jours avec le ministre à Columbus, en Caroline du Sud, et j'ai appris beaucoup auprès de lui, même de l'histoire de notre pays. Et quand je partais, quand je rentrais à Washington, il m'avait confié une mission. Il m'a dit qu'il y avait un grand artiste américain qui avait plagié l'orchestre Kelletigui dans une chanson et qu'il fallait que j'aide à redresser la situation pour qu'on puisse dédommager l'orchestre Kelletigui. Voilà quelques souvenirs que je garde de ce grand homme de culture, de lettres. Et c'est mon ami Boukoum qui m'avait dit qu'il était malade ici en France. Moi, je ne le savais pas. Et c'est seulement après sa disparition
que j'ai su qu'il avait séjourné 6 mois ici avant de disparaître. Alors je profite de cette occasion pour présenter mes sincères condoléances à sa famille et j'exprime le vœu qu'il trouve sa place auprès du Très-Haut en son paradis. Merci beaucoup. Merci, Excellence, Monsieur Ambassadeur. Alors, je voudrais vous dire ceci. Moi, j'ai eu à rencontrer Ahmed Tian Cissé, c'était ton frère, en 1998, d'abord ici, et en 2000 après. Il était de passage parce qu'il était déjà rentré et il est venu pour me proposer un travail, une réflexion qu'ils étaient en train de faire en Guinée là-bas pour nous, pour la diaspora. Et à cette occasion, il m'a remis ce document-là que j'ai ici, que je souhaite vous livrer quelques paragraphes pour savoir exactement ce qu'il a, que c'était un penseur. C'était quelqu'un qui réfléchissait déjà lorsqu'il était ici. Je ne reviens pas sur ce qui vient d'être dit. Ça, tout ça est vrai. C'était quand même quelqu'un qu'on ne peut pas... aujourd'hui, il a disparu malheureusement. On ne peut pas laisser partir comme ça. Et ce document, c'était un document qui avait été présenté au président de la République à l'époque, le général Lansana Conté, qui introduit ceci. Au cours de l'année 1997, le gouvernement guinéen a initié et finalisé une réflexion exhaustive sur les problèmes du développement de la Guinée pour la période 1997-2010. L'excellent document de travail qui en a résulté a été intitulé « Guinée Horizon 2010 ». Selon les comptes rendus publiés par la presse nationale, l'accent a été mis dans cette étude sur les facteurs qui peuvent concourir à la croissance économique du pays. L'approche que nous proposons dans ce document repose sur le dé qu'il faut avoir un autre regard sur les problèmes du développement en prenant en compte la dimension humaine de façon plus exhaustive. Environ 2 millions, ça c'était en 2000, dans les années 2000, environ 2 millions de Guinéens vivent à l'étranger. C'est presque le tiers de toute la population guinéenne de l'extérieur. C'est donc un capital extraordinaire que tout justifie de mieux valoriser. Nombreux sont les pays à travers le monde qui ont su tirer le meilleur parti de l'existence d'une importante diaspora. Il cite la Chine, le Vietnam, l'Israël, la Palestine, etc. Plus proche de nous encore, le Sénégal, le Mali, le Bénin sont des exemples qui peuvent nous inspirer et nous conforter dans notre conviction que rien n'est impossible. Ce grand et puissant mouvement qui s'appelle Guinée 2000, que nous ambitionnons, est un mouvement national de soutien au développement de la nation qui puise ses racines dans nos traditions, notre histoire et notre culture, facteurs de richesse dans la diversité, loin d'être une utopie. Notre ambition est surtout un immense défi pour tous les Guinéens, où qu'ils soient, dans un nouvel élan de réconciliation avec nous-mêmes, pour bâtir une société de justice, de tolérance, de solidarité, de paix et de progrès, avec un sens élevé du patriotisme, mais aussi du pardon pour tous, notamment pour ceux qui ont davantage souffert dans leur chair, leur cœur, leur âme. Les bonnes intentions qui sont exprimées ici ne serviraient à rien si elles n'étaient pas accompagnées de la description précise d'un certain nombre d'actions à entreprendre pour la mise en œuvre des idées émises. C'est pourquoi, dans la suite de ce document, nous énonçons en 7 points les propositions que nous considérons comme étant les plus utiles à cette phase de réflexion et de l'action pour bâtir une nouvelle communauté guinéenne de l'extérieur, plus viable et plus dynamique et capable de soutenir plus efficacement le développement national. Proposition pour la création d'un conseil supérieur de l'extérieur. Ils ont été
les pionniers. Et il en a été l'initiateur, le Conseil supérieur des Guinéens de l'extérieur. Ce document dit, première proposition, en 1984, après le changement du régime, le CRMN avait pris des initiatives originales à l'époque qui avaient abouti en 1985, donc un an plus tard, à la nomination parmi les cadres de la communauté guinéenne de l'extérieur de nombreux ministres, dont le secrétaire d'État chargé des Guinéens de l'extérieur. Cette démarche était effectivement révélatrice du souci des autorités d'alors de prendre en compte la communauté guinéenne de l'extérieur, malheureusement, et peut-être à cause de sa précocité. L'expérience fut de courte durée et tourna court un peu plus tard. De nouveau, dans son adresse à la nation le 31 décembre 1997, le président de la République, donc le général Lansana Conté, à l'époque, a indiqué que nos compatriotes de l'extérieur trouveront en Guinée toutes les facilités d'incitation fiscale propices à leur investissement. Dans le but de mieux valoriser le capital humain guinéen vivant à l'étranger, pour lui permettre d'apporter un soutien plus effectif à la construction nationale, le gouvernement guinéen pourrait donner son accord pour la mise en place d'un conseil supérieur de la communauté guinéenne de l'extérieur. L'objectif principal de ce conseil est de promouvoir et de développer les liens de solidarité, de fraternité, d'amitié et d'unité entre tous les Guinéens, de mieux sensibiliser nos compatriotes vivant à l'étranger sur les problèmes de développement de la Guinée et de les encourager à s'organiser librement en vue de contribuer à la meilleure résolution de ces problèmes. Bien, je vais m'en arrêter là. C'est un document que j'ai reçu des mains d'Ahmed Tidiane Cissé lui-même, qui est venu me voir et qui m'a parlé de son intention de créer son parti politique, qu'il a créé, disons d'ailleurs, quand il est rentré 2 mois plus tard, qui s'appelle encore le MDP, le Mouvement des Patriotes Démocrates. J'ai été consulté pour que je puisse lui créer un logo aussi, ce que j'ai eu à faire. Et la section, tout de suite, de MDP a été installée ici. Et la direction de la section du MDP, donc le Mouvement des Patriotes Démocrates, a été confiée à un de nos frères, Abou Ledou, et Jibril Kassomba et Abdraman Kamara, respectivement secrétaire général, président secrétaire général et chargé secrétaire politique. Voilà, ce document, je vais m'en arrêter là. Il a été signé par M. Racine Ba, ancien professeur de l'université de Conakry, et honorable Ahmed Tidiane Cissé, député à l'Assemblée nationale, président de la commission éducation, santé, arts, jeunesse et culture. Comme vous voyez, c'était quelqu'un qui réfléchissait déjà pour nous. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, après toutes ces années passées à la tête de ce département de la culture, il a laissé sur son bureau beaucoup de projets, entre autres. C'est le document, en fait, si vous voulez, qui a été lu lors de ces obsèques là-bas à Conakry, qui, en fait, en réalité, n'a pas pu ressortir grand-chose. Tout était projet, parce que je discutais avec certains de mes amis qui sont à Conakry là-bas. Il avait, entre autres, sur son bureau, la mise en place du Festival national des arts et de la culture. Le concours littéraire national doté d'un grand prix. Il a même donné un nom à ce grand prix, qui était un projet. Les états généraux sur la politique culturelle nationale. La construction de bibliothèques nationales. La construction du palais de la culture. La construction du siège effectif du ministère de la culture. Et vous le savez, on n'en a pas. La mise en place d'un fonds d'aide à la culture. Le musée contemporain de la culture, etc. etc. Malheureusement, faute de financement, donc faute de moyens, donc, il n'a pas pu concrétiser tous ses projets. Il est parti ces temps-ci, donc nous prions pour le repos de son âme et nous allons continuer le débat. Mais sachez que c'était quelqu'un qui réfléchissait déjà depuis très longtemps
pour nous aider nous-mêmes, Guinéens de l'étranger, parce qu'ils vivaient avec nous ici avant de rentrer en Guinée. Voilà, donc nous allons à présent passer la parole à la salle. Il y a monsieur... Soumaoro, excuse-moi. Monsieur le Président Ismaël Ba, monsieur le maire. Bon, c'est pas grave, monsieur le maire. Je m'excuse. Avant que tu ne prennes la parole, il y a Soumaoro qui est sur la liste des intervenants, en fait des organisateurs. Voilà, et puis les jeunes. Et après, vous reprendrez le micro tout à l'heure. Merci. Soumaoro, s'il te plaît. Merci, frère Cissé. Merci, le doyen Lassine, d'avoir organisé cette journée de mémoire du ministre Saint-Tidiane. Je voulais tout simplement, comme moi je ne le connais pas bien, puis je ne peux pas faire tellement de commentaires là-dessus, mais dire que si l'être humain vit, c'est la source de son existence, c'est bien la culture. Quand on perd sa culture, on n'est plus rien. Donc je pense qu'avoir un ministère de culture, celui qui réfléchit de la culture, je pense que c'est déjà quelque chose de très important pour nous et que nous devons quand même réfléchir et à le développer. Parce que la racine de notre existence, c'est bien la culture. Quand on perd notre racine, on perd tout. Et je pense que ça, nous devons vraiment beaucoup réfléchir. Il y a eu beaucoup de propositions, celui du docteur Ba, de Cissé, nous devons réfléchir, en tirer des leçons. Et je pense que ça serait une très bonne chose et je vous remercie et je demande que le bon Dieu lui garde auprès de lui et lui accorde son paradis. Merci. Bien, Ismaël Ba, s'il vous plaît. Merci à tous. Je voudrais d'abord dire merci à notre frère Lassine Kamara, mon frère de Bélicro, et puis remercier notre frère Kaloko. Son intervention était d'une très bonne qualité, il a dit l'essentiel. Donc moi, je m'associe à tout ce qui a été dit ici. Ce que je vous propose, c'est de prier pour nous, prier pour tous les Guinéens. Mon cher Lansiné, tu m'as demandé de faire passer un message au Fouta Diallo, à toute la Guinée. Alors chez nous, lorsque quelqu'un est décédé, on recite Oulualao 11 fois. Ensuite, pour nous qui sommes vivants, une fois, que Dieu nous protège, que Dieu protège notre pays, qu'il protège toute l'Afrique et tous ceux qui sont présents ici. Alors, bismillah, grand frère. Donc, Oulou Allah 11 fois, plus 1, ça fait 12, et puis on prie pour nous tous. Si vous êtes d'accord. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmani maliki yawmid din, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, allahu samad, lam yalid walam yulad. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, allahu samad, lam yalid walam yulad. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Illa bima sha'a wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifzuhu ma huwa al-'aliyyu. إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجبوا لي. ربنا تقبلنا منا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدم الأجزيم.
Inna Allah malaikatu salluna ala nabiyya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman sallallahu alayhi wa sallam tasliman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Que Dieu nous protège, qu'il nous protège tout notre pays et nous tous. Amen. Alors masalli ala sayyidina wa sallam. Merci Ismaël, merci beaucoup. Donc nous allons poursuivre les interventions. Alors à présent, dans la salle, si quelqu'un veut prendre la parole, voilà, Mohamed Lamine Keta, est-ce que vous souhaitez dire quelque chose? Non, vous vous associez à tout ce qui a été dit dans la salle. Mon cher Gueye, la même chose en tout cas, merci que vous soyez venu. Le frère El Hadj Kale, Kale Bulo, je souhaite qu'il prenne la parole quand même, le frère Kale. Je préfère que tu prennes la parole. Ça nous fera énormément plaisir, mon cher frère. Allez-y, donnez-lui le micro. Voilà, voilà le micro. El Hadj Kale est une référence pour notre communauté. Voilà. Je remercie tout le monde, surtout la personne qui a eu l'initiative d'organiser cette petite cérémonie. C'est tout ce qu'il nous reste à faire, nous. Parce que quand quelqu'un parle, notre devoir à nous, c'est de prier pour lui, pour que Dieu lui donne son paradis. Alors, c'est ce que nous venons de faire. Je voulais juste dire quelques mots, mais mon frère m'a devancé, Ismaël Ba, il vient de faire les doigts, parce que c'est le plus important. Là, tout ce qu'on peut faire pour un défunt, c'est les doigts. Donc il vient de faire ces doigts-là. C'est mon rôle. C'était mon rôle de le faire, mais il a fait à ma place. Donc je le remercie. Et que ces prières-là, on prie le bon Dieu qu'il les accepte. Et que tous nos frères et sœurs qui sont décédés puissent en bénéficier. Que Dieu leur donne le pareil. Merci. Merci El Hadj. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre, Fatmata, est-ce que tu veux dire quelque chose? Tu veux dire un mot? Merci. Quand Pelle m'a appelé hier pour me dire qu'il y avait un hommage aujourd'hui pour M. Ahmed Tidiane Cissé, je n'ai pas hésité. Je ne l'ai pas connu personnellement. Je l'ai vu une fois, il y a très longtemps de cela. Mais cependant, j'ai vécu avec des gens qui m'ont toujours parlé d'Ahmed Tidiane. Au niveau de ma famille, quand il est rentré, il a eu à mener un combat politique avec mon père aussi, à l'époque où il n'était que RPG. Par la suite, il y a l'ensemble de ma famille qui l'a connu, tous ceux qui sont en Guinée là-bas. Mon frère, ma sœur, et tout le monde me parlait de lui en termes de bien, dans de bons termes. Par ailleurs, à Paris, j'ai vécu avec des gens qui l'ont beaucoup connu, et notamment, malheureusement, M. Dramé, qui n'est pas là aujourd'hui, dont le premier fils porte le prénom d'Ahmed Tidiane Cissé. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, Dramé, et oui. Malheureusement, il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Puisqu'il n'a pas eu l'information plus tôt. Voilà, merci. En tant qu'artiste, je sais qu'il a beaucoup fait la danse, le théâtre, en tout cas tout ce qui pouvait rehausser la culture, et notamment la culture guinéenne. Nous qui sommes à l'extérieur, que l'on soit en France ou ailleurs, à partir du moment où on fait quelque chose qui fait rayonner notre pays, nous contribuons d'une manière ou d'une autre à l'essor de ce pays, surtout sur le plan culturel. Monsieur Chérif vient de nous dire ce qu'il a fait à Genève. C'est toujours la Guinée. Et à ce titre, je ne regrette pas du tout de participer à cet hommage. Le seul regret que j'ai, c'est de ne l'avoir pas connu personnellement. Mais ainsi va la vie. Qu'il repose en paix, ainsi que tous ceux qui l'ont dévancé, et que nous-mêmes nous nous tenons ensemble, et que l'unité nationale soit notre préoccupation. À tous, merci.
Merci beaucoup, Fatmata Kaba. Et Fatmata Kaba est... Alors, je disais, Fatmata Kaba est membre de l'ACTOG, l'association des cadres et techniciens d'origine guinéenne en France. Et elle apporte également beaucoup à cette organisation. Voilà, donc il y a le frère Semori Sissé qui vient d'arriver, que je salue la présence. Merci Semori. Je vais repasser le micro à son Excellence Blaise Chérif, qui souhaite s'exprimer à nouveau. Merci. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais juste dire que je souscris entièrement à la suggestion qui avait été faite par Dr Ba, qui a évoqué le nom d'un de nos compatriotes qui a porté très haut le drapeau de la Guinée en terre étrangère. C'est le cinéaste dont vous avez parlé tout à l'heure. Henri Duparc, que j'ai rencontré à Ouagadougou en 1979 lors du FESPACO. C'est là où Balle Poussière a été primé. Henri Duparc et Colly Souleymane étaient les deux porte-drapeaux de la culture ivoirienne, figurez-vous. Colly Souleymane avec sa troupe, le côté bas, qui a sillonné le monde entier. Et c'est Cissé qui a demandé à Colly Souleymane, je vous ai dit, c'est mon ami d'enfance, qui lui a demandé de tout abandonner en Côte d'Ivoire pour rentrer, mettre son savoir au service de son pays. Et Colly Souleymane est parti au mois de juin. Moi, je venais de rentrer de Washington au mois de mai. Il venait d'effectuer son bilan médical à Montpellier, où se trouve son fils aîné, qui est un grand écrivain, son fils aîné. Et il me disait que tout allait bien. Et quand il est rentré, quelques semaines, j'ai appris qu'il a disparu subitement. Donc, ce que le docteur a proposé, on a de grands, grands, grands hommes de culture qui sont partis. Ce serait bien de leur rendre hommage. C'est tout ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Magnifique. Je crois que M. Blaise Chérif, Dr Ba d'abord, et Blaise Chérif ont fait des propositions. Ce sont des propositions, je pense, qu'il convient de prendre en compte. Et je pense que le cadre le plus approprié pour organiser un événement comme ça, une journée de prière, en tout cas, à la mémoire de tous ces frères et sœurs qui ont disparu, qui ont vraiment fait quelque chose pour la culture guinéenne et peut-être même pour d'autres autres choses aussi. Je pense que le cadre le plus approprié, ça doit être le cadre de la CAGF, de la coordination des associations guinéennes de France. Le président a été là tout à l'heure, il est parti. Mais je pense qu'il faut peut-être mûrir l'idée et inscrire en tout cas cet événement dans les prochains débats au sein de la CAGF. Merci, je vais repasser la parole à Madame Si. Encore merci de l'initiative de Monsieur Lansini Camara. On le remercie beaucoup de nous avoir abrités ici cet après-midi pour parler de notre ami et frère Tidiane Cissé, que son âme se repose en paix. Il est de coutume chez nous, si on peut faire une petite enveloppe à destination envers sa famille, ça serait une bonne chose. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Merci. Très bonne proposition. Tout simplement, comme tu viens de dire que tu t'adresses au CAZF et que je suis un des membres de CAZF, le vice-président chargé de la sortie. Je m'adressais à la CAZF. J'ai dit que c'est le cadre, à mon sens, le plus approprié. D'accord. Donc, le 21 février, à la journée des associations des Guinéens de France, est-ce que ça ne serait pas l'occasion pour qu'on puisse discuter ensemble et puis prendre une décision ce jour-là? Bien sûr. Je pense bon. Oui. Bon, je pense que ça serait une très bonne décision et puis ça serait l'occasion aussi d'en parler et puis de prendre une décision. En tout cas, c'est une très bonne décision. Merci.
Merci. Et tu es en tout cas le porte-parole de cette organisation, puisque tu es membre du bureau de la CRGF, tu présides des commissions. D'abord, au sein du bureau, il faut en parler. Fais passer ce message-là, puisque ça a été proposé ici, et faites en sorte que ça soit inscrit dans le prochain débat de la CRGF. En tout cas, c'est une très bonne proposition. Merci, mon cher frère. Alors, vous savez, la culture guyane, elle est riche. Et je suis très fier que ce soit le docteur Ba et son excellent shérif qui propose cette rencontre culturelle. Vous savez, nous avons une richesse telle que quand les Kéta Fodeba avait lancé les grands ballets d'Afrique noire, Fodeba haïssait haut les coutumes, les habitudes, l'éducation. Il avait fait des grands ballets d'Afrique noire le meilleur miroir culturel de notre pays. Et nous saurons expliquer ça à la jeunesse. Il a rayonné. Sinimori, vous avez dû entendre tout ça. Et alors, et c'est ce que nous avons dit à la jeunesse lors de la culture, quand l'indépendance a été proclamée, Fodeba n'était pas obligé de rentrer en Guinée parce qu'il gagnait bien sa vie, parce que sur le plan international, il rayonnait, mais par culture, par fidélité à son pays natal, mais aussi par fierté. Il décida de rentrer au pays et de tout mettre au service de son pays, rien que pour son pays. Tout le monde sait son beau parcours. Dans le gouvernement d'Ahmed Sékou Touré. Au point qu'à un moment donné, il était tellement convaincant et convaincu par ce qu'il faisait que beaucoup même demandaient à Fodeba de tout faire pour prendre la place d'Ahmed Sékou Touré, par exemple. Et Fodeba, vous savez, un homme de culture n'a pas besoin de faire de coup d'État ou de magouille. Il n'a jamais voulu. Malheureusement, il a perdu sa fille au Cambodge. Ça, c'est dommage. Autrement dit, nous dirons à la jeunesse qu'il faut prendre l'habitude de chouchouter nos hommes de culture. C'est ce que nous avons dit à la jeunesse. Et ce que je vais dire aussi, durant la journée culturelle guinéenne, vous avez eu des romanciers de nom, comme Camara Lal. Qui n'a pas entendu parler de l'enfant noir? Ça a été un livre monumental. Ça a été le livre qui parlait des traditions, de l'initiation. Mais surtout, et c'est ce qui fait notre valeur, l'endurance, la modestie, la rigueur. Et j'en suis fier. J'en suis fier parce que je me souviens qu'à Bélécro, quand il y avait ces initiations, on nous apprenait déjà la manière même de chasser à main nue, et je vous assure que c'est vrai, les fauves à main nue. Et puis, je marchais pieds nus, au point que j'ai eu ce qu'on appelle les pieds plats, la preuve, je boite. Vous avez remarqué que l'ancien camarade, quand il marche, parfois il boit. Mais le fait de m'avoir appris l'endurance, c'est ça qui guide un homme. Le fait de te mettre une certaine foi, la foi, croire, mais c'est ce qui fait un homme. Camarade, il a magnifié tout ça dans l'enfant noir. Ce qui veut dire que je suis fier et le plus vite possible, avant même que je me rende à Conakry, pour pouvoir annoncer, avec votre accord bien sûr,
qu'il faut que le président Alpha Condé soit avec nous pour remettre enfin au goût du jour dans une République Guinée qui en a besoin. Il faut que la culture soit le socle du nouveau départ. Et j'en suis fier, parce que le président était ici. Le président sait ce que c'est que la culture. Il sait que si la France tient bon, c'est d'abord par sa culture. Quelle que soit la situation, quelles que soient les tempêtes, tant qu'il y a la culture, le peuple reste debout. Alors là, cette journée culturelle de la diaspora, je la réclame avec vous, je la souhaite avec vous, en espérant que ça aura un impact. Je vais saluer un écrivain, Monembo, que je connais très bien, qui fait des romans magnifiques. Et j'ai toujours dit que ce qu'il faut, ce sont ces romanciers qui sont à la diaspora qu'il faut faire venir au pays. Ce sont ces romanciers, ces hommes de culture, ces hommes d'idées. Ce sont eux qu'il faut envoyer dans nos capitales pour que la jeunesse désœuvrée, elle est désœuvrée, la jeunesse guinéenne. C'est dommage. Il faudrait qu'ils aillent à l'abbé faire la conférence sur la culture. Comment nous pouvons faire pour nous sortir par notre propre culture, qu'ils aillent naturellement à Zérékoré. Pourquoi à Zérékoré? Parce que le manque de culture a voulu que des jeunes désœuvrés s'attaquent par exemple à des scientifiques qui venaient leur expliquer pourquoi il faut un centre de recherche contre le virus Ebola. Donc il faut que les hommes de culture aillent expliquer aux jeunes que nous allons faire en sorte que vous puissiez comprendre l'utilité de ce que c'est qu'un scientifique. Bien sûr, on ira à Cancan pour dire à nos frères de haute Guinée, ressaisissez ce que vous avez perdu en matière de culture. Reprenez le flambeau. C'est le moment ou jamais. Vous voyez bien que beaucoup de pays actuellement, je prends le Ghana. Je ne vais pas, mon cher frère, je vais me dépêcher. Je prends le Ghana. Le Ghana était dans la même situation que la Guinée. À l'époque, on disait Guinée-Ghana, Mali. Quand Ron Lys a pris le pouvoir, il a mis de l'ordre. Il a fait venir les meilleurs Ghanéens qui étaient aux États-Unis, qui étaient en Allemagne. Il leur a dit, je suis militaire, je veux rapidement que ce pays aille sur de bonnes bases. Rapidement. C'est pourquoi je vous ai fait venir. C'est-à-dire que vous, votre expérience, vous allez la mettre au service de la jeunesse ici. Et les coups d'État vont s'arrêter, y compris les coups d'État militaires. Mes chers amis, il a été entendu. Il a été tellement entendu que c'est le Ghana qui a gagné jusqu'ici une bonne partie de la CAN. Or, notre beau pays, la Guinée, quart de finale. Moi qui avais, j'étais heureux. Je dis qu'enfin, on a une jeunesse qui risque de descendre à Conakry avec la coupe. C'est ce que je croyais. Et j'étais enthousiaste. J'ai mis ça dans l'invitation, un clin d'œil à notre Sili national. Eh bien, vous voyez, même si nous avons été battus, c'est le commencement de quelque chose. Ce qui veut dire que nous sommes encore plus déterminés que jamais. C'est-à-dire qu'ils sont allés en quart de finale. Ils auraient pu faire mieux, mais avec notre semaine culturelle, notre mois culturel, nous allons mettre aussi bien le sport que l'écriture en valeur en disant que rien n'est perdu dès lors qu'il y a des hommes de valeur qui sont décidés et ce sont vous, ces hommes de valeur, vous êtes les messagers. Vous qui êtes venus. Vous êtes les ambassadeurs de la culture, de la nouvelle culture guinéenne. Je vous remercie et je compte sur vous. Merci beaucoup. Merci, mon frère Lansiné. Vas-y, allez-y. Je vais rajouter une petite anecdote.
à propos de Sili National à la CAN, quand le Sili a été battu, j'étais avec un groupe de femmes qui m'ont dit, oh là là, la politique va encore reprendre au pays. Alors qu'on était dans l'ambiance et qu'ils souhaitaient que notre équipe aille le plus haut possible. À partir du moment où ça gagne, on n'entend pas parler de politique. Tout le monde a la paix. Merci. Merci, c'est très bien. Bon, oui, attends, il y a Kaloko. Bon, juste un dernier mot. Je voudrais féliciter le doyen Lansiné Camara pour cette initiative salutaire. Il déborde d'énergie du haut de son âge. Nous allons compétir dans les starting blocks ensemble, finalement. Et je veux dire aussi que je souscris totalement aux propositions du docteur Ba et de Excellence Blaise Chérif. Voilà. Et merci au public d'être venu. Voilà. Bon, alors, comme vous savez, il y a beaucoup de choses dans la communauté. Son Excellence Blaise Chérif va se retirer. Oui, il veut se retirer parce qu'il a autre chose, il a une autre obligation. Voilà, donc, merci. À moins que vous vouliez ajouter quelque chose. Non, je voudrais juste signaler au doyen qu'il n'y a pas que des musulmans en Guinée. N'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup. Excellence, s'il vous plaît, vous pouvez faire toute prière que vous voulez. Allez-y. Je l'ai fait déjà. À notre compagnie. Voilà, merci. À notre compagnie, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. C'est bon. Madame, si, vas-y. Je voulais rajouter ce que venait de dire Dr Ba et Blaise Chérif. Et voilà. Nous, on a un projet de conférence qu'on n'a pas défini encore, d'où on parle de mémoire, transmission des valeurs de la famille, ou mémoire et transmission de la vérité aux jeunes d'Afrique. En parlant de nos cultures, par exemple, l'exemple que vous venez de parler de Tidiane Cissé, et tout à l'heure, on proposait de faire une journée culturelle sur les écrivains qui nous ont dépensés. Donc, j'ai dit que ça va même au même projet que notre chemin. Nous voulons désormais qu'on parle beaucoup de devoirs et mémoire à nos enfants pour que les enfants puissent faire comme nous sommes en train de faire là. Je vous remercie. Merci. Je... Une phrase à notre proposition commune. Il faudrait inviter les associations qui vous ressemblent dans les pays de l'Afrique francophone. Parce que j'ai le plaisir de vous rappeler que la réconciliation des Guinéens et de leurs ambassades a été faite en relation avec Culture sans frontières. Et depuis cette époque, cette association essaye de fédérer le maximum de personnes. Donc réfléchissez à ça, parce que ça peut amorcer un renouveau dans la remobilisation de notre communauté suffisamment fragilisée. Voilà, merci. Merci, Dr Ba. Dr Ba propose que dans nos actions, en tout cas en tant que communauté guinéenne, qu'on n'oublie pas le travail fondamental qui a été fait par Culture sans frontières, qui a toujours été présent à notre côté depuis plusieurs années. Donc Culture sans frontières, le président c'est Robert Fopa, bien entendu, qui a participé, il devait être là aujourd'hui, qui a participé à toutes les concertations qui ont conduit à la mise en place de la CAGF. Voilà, je repasse la parole. Si vous voulez prendre la parole, parce que vous faisiez partie de personnalités précédentes. Monsieur Cissé, c'est Maurice qui est venu en retard et on le remercie. J'avais téléphoné à Monsieur Keïta comme quoi je viendrai en retard parce que j'ai travaillé jusqu'à midi et j'avais d'autres petits programmes, ainsi de suite. Bon, et mon frère qui est décédé,
je demande que si on peut au moins réciter Afadia pour lui. Ça a été fait. Ça a été fait. Ok, d'accord. Ben, je vous remercie. Et que son âme repose en paix. Et que le Tout-Puissant l'accorde toutes ses clémences. Et que, parce que nous sommes tous appelés à aller dans ce village. Et personne n'est revenu. Donc, en ce qui. Mais toi, tu iras avant moi. Bon, en ce qui concerne cette journée culturelle, je suis d'accord avec le docteur Ba, parce que j'étais en Guinée. Et c'était en 89, il y a eu Feskora. Feskora, il y avait les cinq pays du Mandingue qui étaient à Chauge, qui sont venus en Guinée et se sont reproduits au Palais du Peuple. Morikanté, c'est Morikanté qui dirigeait ce jour-là, cette soirée. C'était extraordinaire. Gambiens, Sénégalais, Maliens, et Burkinabés, c'était tous là. Bon, cette journée culturelle qu'on est en train de projeter, je crois que il est temps de récupérer nos artistes. Les artistes guinéens, il n'y a pas que l'argent seulement. Ce monsieur qui est décédé là, il était le chef de tous ces artistes. Et en organisant cette journée, je crois qu'il faut penser à ces artistes. Le président des artistes guinéens, qui est M. Kouyaté, qui a remplacé le frère Manfla Kanté, je pense qu'il faut l'intéresser, il faut leur sensibiliser. Et les Sekouba Kanyan Kouyaté, Sekouba Bambino, avec un grand concert, je crois que ça sera l'hommage à tous ces artistes qui sont partis et tous ces hommes de culture qui sont partis. Donc c'est ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie. Merci Monsieur Cissé, merci beaucoup. Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer dans la salle? Dans 10 minutes, on arrête. Mes chers amis, il y avait encore un autre grand homme de la chanson et de la culture qui s'appelait Soli Kouyaté Kanja. J'avais même cru que Guépard, voilà. Ça, c'est pour te remercier déjà. Allez remercier au Guépard. C'est le seul, à mon avis aujourd'hui, le seul média qui véhicule le bon message. C'est l'un des meilleurs médias guinéens. Et c'est pourquoi, sans faire de fanfaronnade, moi-même en tant que journaliste, je dis que tous les médias guinéens qui produisent comme lui produit, avant la journée culturelle guinéenne, nous allons encourager ce média-là. Je salue Makanera, l'homme de Belekoro et de Boké, et l'autre là-bas aussi, l'autre bas qui a fui Belekoro pour venir se cacher à Yamberin. Il est allé se cacher. Ce sont nos frères Peul de Belekoro qui sont allés se cacher à Yamberin. Mais on va vous ramener à Belekoro. Alors, mes chers amis, je salue Makanera et je sais qu'il va véhiculer ce bon message sur la journée culturelle et que Soli Kouyaté Kanja va revenir encore. Il avait une voix d'or. Il a été dans la chanson nationale, que ce soit de la Haute Guinée, que ce soit de la Basse Guinée, que ce soit de la Moyenne Guinée. Allah Akbar. Wallah est quelqu'un de bien. Donc, ce jour-là, nous allons ressortir des chansons de Soli Kouyaté Kanja. Toutes les bonnes chansons. Quand la France entendra ça, elle va venir investir en Guinée dans le domaine culturel. Au fond, c'est ça. Il faut qu'on fasse de notre pays un pays qui attire, un pays qui rassure. Ça, c'est vrai. Et puis, les jeunes, mais vous avez beaucoup de chance. Vous avez Internet. Mais oui, vous pouvez aujourd'hui faire du miracle. Ce qui n'était pas d'ailleurs le cas de ceux de ma génération. Donc, cette journée culturelle, c'est pour vous, les jeunes.
Et naturellement, Macanera, tu remets ça à Macanera, c'est quelqu'un qui n'a pas de prix. Guépard.com n'a pas de prix. Et oui, Filga, bien sûr. Ah, les femmes. Oui, les femmes guinéennes. Non, les femmes guinéennes, ça, on doit leur rendre hommage. D'ailleurs, elle l'a fait. Madame Sy le prouve tous les jours. Elle est tout le temps dans nos débats. Et c'est vrai que nous allons mettre en valeur nos femmes aussi. Eh oui, les Mbalia Camara. Mais ça a été de très grandes femmes. Aujourd'hui. Et il ne nous reste que 10 minutes pour qu'on puisse partager un verre ensemble, un verre d'amitié. Voilà, si maintenant, je pense qu'il y a deux jeunes qui viennent d'arriver. Vous voulez vous exprimer, vous voulez prendre la parole? Alors c'est pas, tu veux prendre la parole, tu viens ici, le micro. Tu veux ou pas? Non, alors, très bien, mais en tout cas, nous sommes ensemble. La jeunesse doit prendre sa place. Vous savez, la place, on ne vous la donne pas. C'est comme la politique. Vous prenez ce qui vous revient de droit. Donc, votre place, il faut la prendre. Quand il y a des réunions comme ça, il ne faut pas venir en retard. Il faut venir parce que vous avez de l'expérience aussi à donner. Vous avez votre, comment dirais-je, votre force à donner, vos réflexions à mettre sur la table pour qu'au moins on puisse vous écouter. Si vous êtes là et que vous prenez la parole, croyez-moi, on vous écoutera. Voilà, la prochaine fois, on compte sur vous. Alors, je vais simplement vous annoncer que le 7 mars, comme pratiquement depuis, je peux dire, 4 années maintenant, l'association Femmes Unies pour le Développement de la Guinée et de l'Afrique, donc FULGA, présidente Madame Sy, va organiser une journée culturelle en partenariat naturellement avec plusieurs structures associatives dont j'ai la liste ici, entre autres la CAGF, va organiser la Journée internationale de la femme dans le 16e arrondissement. Donc l'adresse va vous être communiquée, à moins que tu l'as ici, l'adresse, tu me le donnes. Ah, c'est sur le net, ça a été. Ah, l'adresse est là, je ne l'ai pas en tête, mais c'est dans... Le Guépard va publier et une autre information que je souhaite partager en tout cas avec vous. La mairie de Pierrefitte-sur-Seine nous a sollicité dans le cadre naturellement d'Ebola pour qu'on puisse créer un cadre de rencontre intercommunautaire là-bas dans la mairie et pour parler de ce virus qui continue à tuer. Et croyez-moi, la solution n'est pas encore trouvée un an plus tard. Et comme vous le savez, le virus a muté, et on ne sait pas dans quel sens ce virus a muté. Les gouvernants, les pays qui sont vraiment touchés, ont vraiment arrêté de continuer à communiquer là-dessus, parce que vous le savez très bien que les hôtels sont vides, les étrangers ne viennent pas. Donc l'économie de nos pays, à savoir la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, ces économies-là sont aujourd'hui par terre. Donc c'est vraiment extrêmement embêtant, mais la solution n'est pas encore trouvée. Donc il faut continuer le travail de sensibilisation, d'information. Et le cadre de rencontre que nous souhaitons faire avec la mairie de Pierrefitte-sur-Seine va associer beaucoup d'élus locaux du secteur de Saint-Denis, de Ville-Tanneuse, de Stein et de Sarcelles, parce que nous leur avons écrit des courriers, donc nous attendons naturellement les confirmations. Vous serez au moment venu informé. Et cette rencontre va être faite avec l'ambassade, notre ambassadeur naturellement, puisqu'il est déjà au courant, il a déjà donné son avis là-dessus, mais avec l'ambassade de la Sierra Leone, du Libéria et du Mali. Voilà, donc nous vous tiendrons au courant pour cela. Vive la Guinée. Il y a une sœur qui vient d'arriver, elle est du Niger. Et c'est un panafricaniste aussi, et je suis très heureux de la voir, en tout cas, dans la salle. Madame, vous voulez vous exprimer? On vous donne le micro. On est vers la fin, mais c'est pas grave, vous pouvez toujours parler. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Je suis Madame Maïmanga Thérèse Keïta, je suis sociologue, et j'étais anciennement conseillère technique au cabinet du président de la République, et puis... J'ai dirigé plusieurs projets, dont le programme national de scolarisation des filles et de formation des femmes dans mon pays.
Et j'ai moi-même créé un centre d'accueil pour les jeunes filles de milieu rural pauvre dans mon pays, toujours au Niger. Bon, là, en fait, je suis là pour des raisons de santé, vraiment. Ce qui a fait que j'ai fait mon maximum pour arriver ici, quoi. C'est pas facile pour moi. Et donc, vraiment, j'ai connu le défunt, paix à son âme, parce qu'à l'époque, il animait des troupes artistiques ici. Et nous, chaque fois qu'il y avait des troupes africaines qui se produisaient, ben, on se faisait une obligation. Mais évidemment, c'était un plaisir et d'aller voir ces troupes-là. Et c'est un monsieur dont nous avons, mon mari et moi, qui l'a connu aussi, quand nous étions tous étudiants ici. Et à l'époque, évidemment, il y avait un cadre beaucoup plus fédérateur pour les jeunes étudiants africains. Il y avait la FEANF d'abord, et même après la FEANF, il y avait les restes quand même de cette proximité, de cette fraternité entre nous, ce qu'on ne sent pas aujourd'hui chez les jeunes, malheureusement. Et donc, vraiment, quand j'ai appris le décès, j'étais très touchée. J'ai envoyé des condoléances. Et puis, quand le grand frère m'a dit qu'il y avait cette cérémonie, j'ai dit, bon, je vais tout faire pour venir participer. Et bon, c'est un exemple. C'est important de faire connaître des personnes comme ça qui ont eu foi à la culture africaine, aux traditions africaines. Il faut savoir défendre notre patrimoine culturel. Ce qui est positif, qui est porteur, il faut le défendre, il faut l'enrichir et le partager. Parce que c'est notre contribution aussi. Ne pas être toujours des consommateurs de tout, consommateurs de modèles politiques, consommateurs de modèles de production, de projets, de produits importants et secondaires et factices de consommation. Et vraiment s'adresser à la jeunesse. Parce que ce qui se passe actuellement, nous, on a peur, franchement. Ça nous fait peur. C'est pour ça que nous pensons que les adultes avertis doivent effectivement faire quelque chose pour que la jeunesse africaine se ressaisisse, qu'elle ne soit pas désorientée et qu'elle ne soit pas distraite des vrais problèmes, des enjeux africains et des questions de développement au profit des choses vraiment qui sont porteuses que de désastres, quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci, madame, pour votre intervention. C'est très émouvant et ça fait énormément plaisir. Merci pour l'effort que vous avez eu à faire, malgré votre état de santé. Mais c'est un grand plaisir et votre participation à ce débat nous va droit au cœur. Merci beaucoup. Donc, nous continuons à travailler ensemble dans le cadre plus large, pas seulement entre Guinéens, mais entre Africains. Nous venons de dire ici que le président de Culture Sans Frontières devait être là aujourd'hui, Robert Fopa. Malheureusement, pour d'autres raisons, il n'a pas pu faire le déplacement, mais nous sommes ensemble. Nous travaillons de concert pour que toute l'Afrique, n'est-ce pas, soit unie et que nous soyons toujours ensemble. La culture de nos pays, en Afrique notamment, doit être mise à la disposition de chacun. Les jeunes doivent prendre encore une fois leur place dans ce travail et dans cette réflexion. C'est ce que je venais de dire à mes jeunes frères qui viennent d'arriver. Merci beaucoup en tout cas. Je pense que, votre permission, on peut lever la séance. Bien, alors, donc on va partager un verre ensemble. C'est un verre d'amitié. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous, merci à toutes. Et à très bientôt.